qui sont désormais double champion olympique. On en a trois en plateau. Kevin Tilly, Nicolas Le Goff et Genia Grebennikov. Ça va les gars? Forcément, oui, ça va. Hein. Très bien. Très bien. Allez, un mot là pour décrire cette médaille, hein, chacun. Un mot, incroyable. Magnifique. Ça brille. Ça brille. J'ai cru qu'il allait dire doublé. Parce qu'il Je change mon mot, doublé. Parce qu'il se balade avec deux médailles lui par contre. Ouais. Forcément les gars, vous avez tous les trois une carrière immense, vous avez vécu plein de choses. Est-ce que là, ce titre de champion olympique, c'est au-dessus de tout? De ce que vous avez vécu? Ouais, c'est au-dessus de tout. Moi, pour moi, c'est au-dessus de tout. Ouais, alors c'est difficile de le mettre au-dessus de Tokyo. Ouais, c'est déjà le premier. Tokyo, c'était premier champion olympique. Ouais. Là, c'est sûr, c'est en France, avec le public. C'est des saveurs particulières. Mais j'aime pas, moi, mettre une hiérarchie dans les titres, parce que chaque titre, au final, on est allé chercher. Voilà. Ouais, une histoire différente. Ouais. Chaque titre, je peux t'aider, il y a une plus grosse prime. Et lui, je joue que pour l'argent. Ah, moi, je joue que pour l'argent. Que pour l'argent. Depuis le début de ta carrière, c'était ça. Que pour l'argent. Et toi, Génios? Moi, je pense que celle-là, elle est encore plus belle parce qu'on était à la maison, on était à Paris, dont les amis, la famille, les supporters français, les gens qui me suivent depuis pas mal d'années, le public français. Il y a eu un tellement beau engouement autour de nous, autour de ces jeux, que je pense que celle-là, elle est un peu plus belle que l'autre. Ouais, et puis ce qui est beau, c'est que vous êtes tous les trois des pionniers de l'équipe de France. Je crois que toi, ta première sélection, c'est en 2011, t'avais 20 ans. 2012 pour Kevin, 2013 pour Nico, on est à peu près bon. Ma sélection officielle, ouais, 2013. Ouais, pareil. À ce moment-là, l'équipe de France avait pas de titre. 2012. Je crois qu'il y avait juste une médaille de bronze en 2002 sur un championnat du monde. Ouais, et peut-être des finales de World League ou quelque chose comme ça. Il y avait finale de World League. Ouais, 2006, je crois. Depuis que vous êtes là, c'est 4 Ligues des Nations, un titre de champion d'Europe, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Vous l'avez construite un peu cette équipe, vous êtes les pionniers, de voir qu'elle est encore capable de faire ça maintenant avec votre génération, avec une nouvelle génération aussi qui arrive, c'est incroyable. Ouais, les jeunes qui sont arrivés, ils nous ont bien aidés, c'est bien. Les Barthes, Antoine Brizard, etc. Et c'est des petits jeunes, Trevor là, ils nous aident un peu, c'est bien. Ils sont jeunes. C'est bien. Et puis vous avez su aussi intégrer deux petits nouveaux dans le groupe, enfin nouveaux. Ils n'étaient pas là à Tokyo, Théophore et puis Quentin. Ouais, après, Quentin n'est pas un jeune, mais il est nouveau. Ouais, non, mais ils nous ont énormément aidés. Merci Quentin pour cette médaille, pour cet après-midi. Mais non, mais c'est génial. Enfin, tout le monde a aidé, même Théo contre l'Allemagne. Il fait une entrée incroyable. Merci à Kevin aussi pour ses réceptions. Moi, les gars, pas de problème. Quelle qualité. Moi, quand vous avez besoin, vous avez. Non, mais c'est ça qui est trop bien dans cette équipe, c'est qu'au final, là, on a gagné, tout le monde a joué. Ouais. Tout le monde a joué au moins un point ou deux. Enfin, il n'y a pas un mec qui a pas mis un pied sur le terrain. Et ça c'est trop stylé, quoi. Vous avez senti, vous, une équipe différente entre la phase de poule et les quarts de finale et cette demi et cette finale où vous balayez l'Italie, vous balayez la Pologne? Est-ce que vous avez senti une différence même dans le tournoi, un petit déclic? Clairement, moi j'ai l'impression que ce soit en demi-finale contre l'Italie ou là en finale contre la Pologne. C'est pas du tout pour leur faire offense, hein, ce que je veux dire, hein. C'est pas du tout prétentieux, mais c'est plutôt dans l'état d'esprit dans lequel on était. J'ai l'impression que ce soit la demi ou la finale, on aurait pu faire 27, on aurait gagné 20-0. Ouais. En fait, on était tellement focus, serein, déterminé, agressif, concentré moi j'avais l'impression qu'il pouvait rien nous arriver, quoi. J'en parlais avec Trevor, je disais dans le sport souvent on peut parler d'être dans la zone. Ouais. C'est un peu ça. Et on est monté aussi en puissance. C'est vrai. Je trouve surtout après le quart, on s'est fait un peu peur avec le 3-2. Mais même eux jouaient très bien. Les Allemands jouaient très bien. Très très bien joué. On a dû augmenter le niveau de jeu et puis ça s'est vu après sur l'Italie et la Pologne. Mais clôturer d'une manière comme ça, c'était incroyable. On a fait vraiment un beau jeu, je pense. Mais c'est un truc que vous avez senti tout de suite là, le matin en vous réveillant pour cette finale olympique. On se dit, ah aujourd'hui, ouais, il va encore se passer quelque chose de grand. On va le faire ou ça vient petit à petit dans la journée? On se met pas trop de pression? Non, on se met pas trop de pression en général, on se met du bon karma de notre côté et on essaye de se dire que... Je pense que ça vient pendant le match aussi. Ouais, c'est vrai. On se réveille quand même avec un peu la pression, avec mine de rien, l'enjeu qui nous rattrape. Enfin, on est conscient de ce qu'on va jouer. Et une fois que t'es sur le terrain, ça va. Une fois que t'es sur le terrain et que le match, tu vois que t'es dedans, ça démarre bien et tout, ça enlève un peu la pression. Ça enlève pas, heureusement, parce que ça peut aussi enlever un peu d'agressivité parfois quand on se relâche. Là, ce qui est fort, c'est que c'est pas le cas. Ça a juste enlevé un peu la pression négative, la pression négative, et on a juste la fin d'un jeu. Là, je voudrais revenir sur une action précise avec vous quand Léon met ce dernier service dehors. J'ai posé la question à Trevor en lui demandant qu'est-ce que t'as fait tout de suite. Lui, il me dit je me suis étalé sur le sol, je savais plus trop où j'étais.
Et vous, comment ça s'est passé pour moi, tous les trois? Moi, c'est pareil, je suis tombé à genoux. Nous, on a... nous, on a couru sur le terrain, mais c'est surtout... on a été soulagé quoi quand il y a eu, bah ça commence à ça fait commence à faire un peu peur dans le sens où il nous en remet un sur le terrain, ça, il peut revenir à égalité et de voir le service partir dehors, soulagement et après on éclate de joie quoi, enfin c'est dingue. Et après les vestiaires, c'était comment? Tranquille, ça va. Contrôle antidopage. On devait se dépêcher pour la cérémonie qui, au final, on a poireauté 40 minutes sous les tribunes là, avant de rentrer. Donc, au final, vestiaire, pas un truc de ouf. Dans le sens où on était même pas. Je crois qu'il n'y a même pas eu un moment où on était tous ensemble dans le vestiaire entre les contrôles antidopage, les machins, les trucs. Et. On avait hâte d'être sur le de redevenir sur le terrain pour la médaille, quoi. Enfin, c'est vraiment. Hâte de revoir le public et chanter la Marseillaise. Tiens les gars, si vous deviez retenir juste un seul moment de ces jeux, vous savez, on prend des photos, on a des photos un peu partout. Si vous, vous aviez le choix de repartir avec une photo, un moment marquant, tous les trois là, ça serait lequel? On dit les mêmes, vas-y. Moi je dirais la cérémonie. Ouais, la cérémonie. Ouais, la cérémonie, quand on est arrivé, on a fini le trajet, on est arrivé devant la Tour Eiffel, pris une photo là avec l'équipe, là, parce que c'était vraiment incroyable, c'était on est passé devant tous les monuments. La cérémonie. Ouais. Sur la scène, on était vraiment, c'était magnifique, avec toute la ferveur qu'il y avait autour de nous, toutes les personnes qui étaient venues alors qu'il pleuvait, c'était tempête dehors. Et Teddy, très beau. Et on a passé un peu de temps avec Teddy, c'était sympa. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Alors, moi, je vais dire, si ça pouvait être une photo un peu à 360, c'est le moment où on chante la Marseillaise, ça fait un peu bateau, mais sur le podium, là, ce soir, avec tout le public français. C'est le drapeau qui monte, la Marseillaise, les 12 000 personnes qui chantent. On avait l'impression que, il y avait pas, de ne pas être 12 ou 13 à avoir gagné, mais d'avoir gagné avec tout un pays, quoi. Ça, c'est incroyable. Ah, puis il y a quelque chose qui a dû vous booster aussi, c'est vous jouez quasiment en dernier, et vous voyez tous les athlètes ramener des médailles petit à petit au village. Ça met une pression, ça, par contre. Ouais. Hein. Quand on a commencé à voir les rugby. Mais rugbyman, deuxième jour. On a fait ouf. La médaille est très très belle. On les a vu passer. On s'est un peu... Enfin, moi, je me suis un peu interdit. Pareil. On passé. Ça a porté la ça met un coup de pression parce qu'en fait, en 3 jours, ils finissent champion olympique. Et on s'est dit, nous, on n'a même pas commencé. Quoi. Mais on est les seuls. On était les seuls à faire toute la compète au village. Les handballeurs, les basketteurs, ils ont changé. Les handballeurs, ils ont switché. Donc au village, on est les seuls. Là, on est les douaniers. Quoi. C'est chez nous, on est là depuis le début, on fait la fermeture du village. Je pense qu'on est les d'avoir fait tout ça de bout en bout. Les membres du staff médical, ils nous disent vous êtes encore là. On est encore là, on est dans le on faisait le bain froid hier soir tranquillement. Et... Bon, bah, vous pourrez leur dire on est encore là, mais avec la médaille d'or. Voilà. Là, c'est bon. Exactement. Merci beaucoup, les gars. Merci Kevin, merci Nico, merci Yenia. Et puis, fêtez ça bien. Merci. Vous savez les gars. Pas de problème.